Salut les amis, bienvenue dans votre restaurant. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière, quelque chose que je n'ai encore jamais fait sur ma chaîne. Ça sera une vidéo d'unboxing. Je vais donc vous présenter un produit et ses accessoires. Je vous dirai tout ce que vous devez savoir. Et ensuite, je vous ferai une démonstration pratique en cuisine. Alors, tout d'abord, je vous montrerai ce qu'il y a dans cette boîte. Donc, voici le petit mode d'emploi et voici notre produit. Donc, le moulin Finamil avec deux pods ou réserves pour les épices, un câble d'alimentation et voilà, on a tout ce qu'il nous faut. Voilà les réserves pour les épices et le produit en lui-même, le moulin. Donc il y a plusieurs coloris au choix, blanc, rouge ou noir. Ici j'ai reçu le noir, design épuré, hein, sobre, simple, juste ce qu'il nous faut, un port de charge USB, un gros bouton sur le dessus et ici le compartiment pour recevoir les pods. Voilà, c'est simple et efficace. Qui dit câble USB et port USB dit que ce moulin fonctionne sur batterie et non à pile. Économique, écologique, pratique. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Parlons maintenant des réservoirs à épices, des pods. Donc ce modèle est fourni avec deux pods classiques, donc pour des épices de 5 mm maximum, donc comme des poivres de toutes les couleurs, du sel rose de l'Himalaya par exemple. Ils sont composés d'une partie comme ceci transparente et de la base avec bien sûr le moulin, le broyeur qui est en céramique, donc c'est un excellent choix. Là, j'ai plus confiance quant à sa durabilité. En dessous, vous avez une petite vis qui vous sert à régler la taille de la mouture. Vous pouvez tourner. Dans le sens inverse des aiguilles de montre, ça dévisse. Donc, ça sera une grosse mouture. Et dans le sens des aiguilles de montre, ça va resserrer le broyeur. Et donc, ça vous permettra d'obtenir une mouture fine. J'ai également ici deux autres pods. Donc, à savoir un pod de plus grosse taille. Celui-ci peut permettre de moudre du café, ce qui est formidable, ou n'importe quelle épice d'une taille maximale de 8,5 mm. Et ici, en voici un autre, donc le pod Pro, donc qui est un peu particulier, qui a une forme et une conception différente. En dessous, constatez que celui-ci est vraiment différent. Ce pod Pro sert à moudre les épices solides, les épices dures, comme la cannelle, la badiane, la noix de muscade. Donc c'est vraiment incroyable, hein. Donc ce moulin est assez puissant pour moudre des épices telles que celle-ci. Donc ici, on m'a aussi fourni un tray, une base en fait, pour disposer nos pods. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Ah, voici le produit. Donc le tray ou le support en fait, pour disposer vos pods, pour avoir une bonne organisation dans votre cuisine. Ça s'adapte comme ça. C'est adapté à tous les pods, hein, quelle que soit la version, que ce soit le pro, le classique ou le grand. Il y a un espace suffisant entre chacun pour pouvoir directement changer d'épices comme ça. Et donc vous pouvez en acheter plusieurs et les superposer. C'est pour ça qu'il y a cette forme en dessous. Donc si vous les superposez, vous voyez, vous pouvez vous faire une étagère comme ça avec les épices que vous utilisez le plus sur le dessus, parce qu'il y a toujours des épices en cuisine qu'on utilise plus que d'autres, hein. Sel, poivre, bon là c'est la base, hein. Sel, poivre noir, poivre blanc, on peut les mettre au dessus, ils sont faciles d'accès, voilà, ça tient, hein, il n'y a pas de problème. Après, rien ne vous empêche de disposer vos traits, si vous avez de la place en cuisine, l'un à côté de l'autre comme ça et d'avoir toutes vos épices à portée de main. Là ça va être un jeu d'enfant, ça va être magnifique, quoi. Déjà ça me plaît bien là. Voici une sélection d'épices que je vais pouvoir essayer avec le moulin. Donc bien sûr, tout d'abord, chargez votre Finamil. Là, il est chargé, mais sachez que s'il n'y a pas de pod inséré dedans, le Finamil ne fonctionne pas, ce qui est normal. Là, il fonctionne, là, il ne se passe rien. Je vais commencer par utiliser le pod basique. Donc c'est celui-là là, avec la base grise. Je vais garnir mon premier pod classique avec quoi? Eh bien, l'épice que j'utilise dans absolument toutes mes vidéos, le poivre noir. Eh bien, on va pas changer les bonnes habitudes.
je le ferme comme ça, en vissant. Et là, rien de plus simple, on prend le moulin, on exerce une pression sur notre pod, et il est clipsé, il est engagé. Et là, on peut donc... Donc là, il a été moulu finement. Je peux alors dévisser légèrement ici, afin de moudre à une taille environ intermédiaire. Et je peux encore le dévisser, afin d'avoir une mouture plus grosse. Et voilà. D'une main, en un mouvement, on clipse, on prend un autre. Bon, ben, là, franchement, on est au summum de l'efficacité, de la facilité, de la praticité. Moi, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Mais franchement, c'est ça qui m'a séduit. C'est qu'en fait, il y a juste à appuyer, à clipser. Et ça, c'est vraiment le point fort pour moi de ce produit. Tac. On appuie. Et ça clipse direct, quoi. Ça force pas. C'est vraiment, c'est fluide. C'est ergonomique. C'est... Bon, là, je m'amuse. Hein. Là, je m'amuse un peu. Je crois que vous avez compris le principe. Je peux dévisser plus. Hein, et je peux faire... vraiment des morceaux de poivre. Donc, vous voyez là, j'ai vraiment ouvert large. Vous pouvez voir, c'est du poivre concassé. Hein. Là, c'est très épais. Je suggère d'utiliser le grand. Donc, ça, c'est pour des épices plus grosses, des épices ou autres. Hein. Parce que là, en l'occurrence, je vais moudre du café. Je vais prendre des grains de café. Si vous ne disposez pas à la maison d'un moulin professionnel à café, eh bien, ça fait le job. Et vous aurez l'option, la possibilité d'acheter du café en grains qui gardera ses saveurs, ses arômes bien plus longtemps, comme les autres épices d'ailleurs, hein, qui garderont leur saveur, leur caractère bien plus longtemps entier que dans des paquets achetés déjà moulus. Donc moi, personnellement, je n'en sers pas pour le café, mais c'est une option en plus. Elle a le mérite d'exister, d'être disponible. Donc voilà, multifonction. Là, c'est transparent, comme tous les pods, ils sont tous transparents. Et donc, on voit qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. On voit très vite qu'est-ce qu'il y a dedans et combien il en reste. Voilà, je n'ai pas besoin de l'ouvrir. Je vois directement la quantité qu'il me reste. Je sais qu'il me reste de quoi faire un café. Alors, j'ai fait une grosse sélection d'épices. Je ne vais pas tout utiliser. Là, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer les différents pods. Et là, celui-là qui est très différent. Là, j'ai deux compartiments. Ben, je peux mettre des épices un peu de chaque côté. Donc là, on aligne la barre avec la fente. Et on serre. Et on visse, comme d'hab. Voilà, donc là, j'ai moulu... les 3 ou 4 étoiles de badiane entière que j'ai mis. Hein. Pas de problème, il n'a pas rechigné. J'y suis allé pour le pousser justement jusqu'au bout et pour voir, pour vider. Donc là, il doit peut-être rester quelques miettes dedans. Hein. Donc je vais vous montrer avec un bâton de cannelle. Hop, je presse, je visse, clic et c'est parti. Là, vous êtes sûr d'avoir vraiment tous les arômes de vos épices. Juste comme ça, fraîchement moulu, au moment où vous en avez besoin. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas photo, là ça sent, j'ai l'assiette ici, on sent bien la cannelle. Vous voyez, là c'est d'une finesse. Et bien maintenant on va passer en cuisine et on va voir son utilisation directement sur différentes préparations et voir les différents avantages et la praticité du produit. Allez, je vous emmène avec moi, on y va. Là, je vais préparer des spaghettis à la crème au poulet. Et là... Ah ! Thank you.
Maintenant, on va cuire des escalopes de foie gras poêlé. Et bien voilà, après cette démonstration pratique en cuisine, mais moi je crois que je vous ai dit tout ce qu'il y avait à savoir, ou presque. Une dernière question, et pas des moindres, si vous êtes intéressé par ce produit, où le trouver? Donc ce produit n'est pas encore disponible, c'est un projet de crowdfunding. La campagne vient d'être lancée, vous pouvez le trouver sur la plateforme de crowdfunding ZecZec. Je vous mets le lien en dessous de cette vidéo dans la description, vous le trouverez directement, vous tomberez directement sur la page, et vous verrez les différentes formules, les différents produits que vous pouvez acheter, le kit, les différents pods, le socle. Si vous êtes intéressé et que ce produit vous plaît autant que moi, n'hésitez pas à soutenir le projet et à le précommander sur la plateforme ZecZec, une fois encore. Moi, ce Finamil, je l'ai adopté, il a sa place dans ma cuisine et je pense que vous allez voir à n'en pas douter dans mes futures vidéos. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, je crois que je vais manger beaucoup plus épicé.